Oui, donc c'est l'école des trois chaînes de Garouette. Il y a six classes, c'est une école primaire, donc maternelle et élémentaire. Voilà, six classes, 133 élèves au dernier comptage. On fonctionne toutes les deux avec des classes de CE2, CM1, CM2. On a toutes les deux 25 élèves, sachant qu'on s'est réparti les disciplines. Donc moi, je vais m'occuper davantage du français, tandis que Alicia s'occupe, elle, des mathématiques. On a réparti les matières de la même façon pour les autres disciplines, telles que géographie, sciences, histoire, etc. Et les élèves se déplacent d'une classe à l'autre. Ils se déplacent quand ils vont en français, ils vont dans ma classe. Quand ils vont en mathématiques, ils viennent ici. Cette année, c'est l'année qui est basée sur le thème de la poésie. Donc en novembre, on a fait une semaine banalisée sur ce thème-là en proposant différents temps forts. Alors le premier, c'est les BIP, ça signifie brigade d'intervention poétique. Il s'agit d'intervenir chez les commerçants, auprès des personnes qu'on croise dans la rue, pour leur réciter une poésie. On a aussi collé des petites amendes poétiques, donc il s'agit de fausses contraventions sur les pare-brises des voitures pour que les personnes, les guérinois, découvrent sur leur pare-brise une poésie et non pas une vraie amende. On a distribué chez les commerçants des tickets de poésie, de manière à ce que les clients reçoivent non pas uniquement un ticket de caisse, mais aussi un ticket de poésie. Enfin, on a affiché dans les armes des gouttes de poésie. Et on va aussi faire un travail sur les écrans en lien avec les autres écoles de la commune et puis la mairie, afin de sensibiliser, de réfléchir sur les écrans d'une manière générale. C'est vraiment une classe très agréable, il y a un petit peu de bavardage, mais d'une manière générale, c'est vraiment une super classe.